From the beginning. Ah ouais, non, mais moi ça m'amuse énormément. Ce côté alimentaire me plaît énormément. Mon père travaille dedans aussi. Et en plus, après la visite des différentes écoles, sur les journées portes ouvertes, les journées candidats, bah, au fur et à mesure, ça me renforçait vraiment dans ma conviction de travailler là-dedans. On s'amuse beaucoup. C'est vraiment beaucoup de bons moments par rapport aux gens que j'ai trouvés. On était 5 étudiants à commencer à réfléchir autour d'une idée. Et en fait, on a continué derrière en mémoire de fin d'études et aujourd'hui, on a pu être incubé au sein de l'école. Du coup, donc, j'ai cofondé la start-up Bottes et Carottes. Et nous, aujourd'hui, on veut proposer des fruits et légumes avec du goût et de la transparence. Le projet qu'on porte le plus à cœur, c'est un kiosque primeur qu'on irait mettre au cœur des hypermarchés. Plutôt fourchette. Il y a ce côté de comprendre pourquoi les gens achètent tel ou tel produit. Qu'est-ce qui est juste une tendance? Qu'est-ce qui est juste une mode? Qu'est-ce qui est un vrai phénomène de fond? Carottes. Pour des jeunes qui voudraient choisir cette formation, c'est un discours qu'on dit beaucoup aujourd'hui dans nos générations, mais qu'il faut qu'on fasse des choses qui ont du sens. Tu veux en savoir plus sur cette formation? Clique juste ici.